Comment réaliser ce délicieux brownie américain au chocolat et au beurre de cacahuète? Tout d'abord, au micro-ondes, faites fondre environ 55 g de chocolat noir et 40 g de beurre. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un grand saladier, cassez tout d'abord un œuf. Vous ajouterez après environ 45 g de sucre roux et environ un tiers de sachet de sucre vanillé. Pour information, la recette de ce brownie est déjà publiée sur le blog, mais dans cette vidéo, j'ai divisé les ingrédients par 3 pour avoir un plus petit gâteau. On ajoute maintenant le chocolat et le beurre fondu. Et on mélange à nouveau avec le fouet. Mélangez ensuite environ 20 g de farine, un tiers de cuillère à café de café soluble et environ 13 g de cacao. Ajoutez-les à la pâte précédente à l'aide d'un tamis. Et on mélange à nouveau avec le fouet jusqu'à ce que les ingrédients soient bien intégrés. Voilà, c'est très beau, n'est-ce pas ? On ajoute bien sûr une petite pincée de sel. Vous avez remarqué, j'ai utilisé donc du café soluble. Et le café soluble, comme le sel, est en fait un exhausteur de goût qui va vraiment mettre en valeur le chocolat et nous donner cette saveur chocolatée si intense au brownie. On prend maintenant un moule recouvert de papier sulfurisé. J'ai pris ici un moule standard à gâteau rectangulaire. Et on verse la préparation dedans. À présent, faites fondre environ 40 g de beurre de cacahuète quelques secondes au micro-ondes pour qu'il soit bien fondu. Et versez-le directement sur le gâteau. Et à l'aide d'un pic à brochette ou d'un cure-dent, si vous avez, faites de jolis motifs sur la surface du gâteau pour étaler le beurre de cacahuète. On enfourne maintenant environ 15 minutes au four, un petit peu moins si vous voulez un cœur fondant. Et voilà, le gâteau est prêt. Il n'y a plus qu'à le découper et le déguster. En tout cas, vous aurez remarqué, c'est une recette vraiment très facile à faire, très rapide, à la portée de tous, avec le minimum d'ingrédients. Il est vraiment délicieux. Vous ne regretterez pas. Bon appétit. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt dans une prochaine vidéo.